Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans la cuisine dans laquelle j'ai commencé le projet Hashtag Antoine Je Vois Demain, il y a de ça maintenant plus d'un an. Il y a 2 semaines donc, Nico a terminé son aventure à The Voice avec les honneurs après un superbe hommage de Vianney. Tu es là parce que t'es un putain de musicien et de chanteur et merci pour ce que tu nous as donné et ce que tu nous donneras. Allez suivre cet homme-là parce qu'il a encore beaucoup à nous dire, à nous chanter, voilà. Merci. Si vous vous en souvenez, la mystérieuse surprise dont nous vous parlions lors de la FAQ de la fin du projet Hashtag Antoine Je Vois Demain, c'était évidemment qu'on savait que Nico participerait à The Voice. C'est une annonce, on peut pas trop en dire en fait, tu as été contacté pendant le projet Hashtag Antoine Je Vois Demain par quelqu'un pour un projet qui va sans doute avoir lieu en 2021. On ne sait pas encore les dates, etc. On va évidemment tous te suivre. Je pense que les gens qui sont là, ils sont hyper contents. À nouveau, je souhaitais donc vous remercier, car si Nico a été repéré par le casting de The Voice et a pu jouer devant des millions de personnes, c'est grâce à toutes celles et ceux qui ont soutenu ce projet et sans qui nous n'aurions sans doute pas pu aller au bout des 52 lives et 52 vlogs. Donc un énorme merci. Vous l'avez sans doute vu, une nouvelle aventure débute maintenant pour Nico. En effet, si vous avez regardé les vlogs du projet, vous savez que Nico n'a jamais pu vivre de sa musique. L'exposition offerte par The Voice a été une bénédiction. Uniquement sur la chaîne Hashtag Antoine Je Vois Demain, nous sommes passés de 400 abonnés à peu près 1200 abonnés, autant de gens qui sans doute ont découvert Nico et son immense talent lors de l'émission de TF1. Pour celles et ceux qui ont suivi le projet Hashtag Antoine Je Vois Demain l'année dernière, sachez que l'ancienne page Tipeee du projet Hashtag Antoine Je Vois Demain a évolué pour devenir aujourd'hui la page Tipeee de Nico Sarro. En devenant une tipeuse ou un tipeur pour aider Nico, vous allez non seulement pouvoir accéder à des vidéos exclusives qui vont vous raconter les coulisses de son passage à The Voice par exemple, ou la préparation de son nouvel album que l'on attend tous, mais en plus, Nico va vous proposer des apéros streams réguliers au cours desquels vous pourrez l'écouter chanter évidemment, mais aussi et surtout échanger avec lui en direct. La plupart de ces apéros streams seront réservés aux tipeuses et tipeurs. Mais évidemment, Nico pense à toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de le soutenir financièrement, et au moins un apéro stream par mois sera public pour tout le monde. De mon côté, j'espère que cette page Tipeee dans le temps lui permettra vraiment de pouvoir se consacrer à ce nouvel album. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'attends en priorité. Et puis évidemment, il y aura toutes ces vidéos chaque mois, dont sans doute la prochaine, je participerai à sa conception, parce que nous avons filmé plein de choses pendant que Nico passait les castings de The Voice. Donc on va essayer de vous faire un petit documentaire vlog sur toute cette période, j'espère que ça vous intéressera. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions sur le fonctionnement de la page Tipeee, que des choses vous apparaissent pas claires ou que vous avez peut-être des conseils même à nous donner, n'hésitez pas à poster dans les commentaires de cette vidéo, Nico et moi y répondrons et vous aiderons en cas de problème évidemment. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui ne pourront pas participer au Tipeee, mais je me dis que pendant un an, vous avez eu accès au projet Hashtag Antoine Je Vois Demain gratuitement. Ensuite, Nico va continuer quand même chaque mois des choses gratuites pour vous, pour rester en contact avec vous. Donc j'espère quand même que vous serez pas trop frustrés par tout ça. C'est toujours très délicat, c'est un équilibre pas évident, et j'espère que celui qu'on aura choisi vous conviendra, en tout cas vous paraîtra raisonnable. Pour finir, je voulais que vous sachiez que le projet Hashtag Antoine Je Vois Demain et ce moment incroyable que fut la participation de Nico à The Voice, hein, c'était quand même un petit peu fou. Tout ça a été une aventure géniale en votre compagnie. Personnellement, j'ai eu le plaisir de voir tous les efforts de cette folle entreprise se concrétiser. C'était assez incroyable. Tous vos retours à propos de Nico et puis tous les messages de félicitations également que j'ai reçus ont été une récompense indescriptible. Donc vraiment, merci, c'était un moment magique. Évidemment, hein, ça suffit pas. Moi, mon ambition, c'est que Nico vraiment devienne cet artiste reconnu de la scène rock française. Donc, il y a encore du chemin à faire. Mais déjà, c'était une superbe étape. Donc, merci encore. Voilà, maintenant, l'aventure s'écrit tous ensemble avec lui. Je vous dis pas à la semaine prochaine, mais peut-être que ce sera pas non plus la dernière vidéo que je ferai, parce que je vais suivre le parcours de Nico, évidemment, de près. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt et peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. J'ai essayé de regarder, mais en fait ils sont comme dans un salon, dans une teuf en fait, tu vois. Du coup, c'est pas les mecs en randonnion comme ça, il y en a de partout en fait. Du coup, pour les regarder, c'est un peu compliqué. That's my tears with your lips. Touch my world.